Bonjour et bienvenue dans le studio Domitys. Nous sommes aujourd'hui installés à la résidence Domitys de Montluçon. Nous sommes en direct et en public. Bonjour à vous. Alors, révolution sociétale et source d'inquiétude pour les autres, la téléconsultation est un sujet qui fait débat. Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec nous, des experts. Anna Kuhn-Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale Think Tank Matière Grise, experte senior. Madame Malot, bonjour. Vous êtes directrice du centre hospitalier de Montluçon-Néry-les-Bains. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour. Stéphane Bruno, vous êtes directeur des partenariats à Domitys. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Séverine, vous êtes directrice de la résidence de Montluçon dans laquelle nous nous trouvons. Bonjour. Et dans le public, les yeux rivés sur vos commentaires et sur vos témoignages, Florence Angelevin et Raphaël Dessalle, chargés de réseau tous les deux à la résidence de Montluçon. Tous les deux discutent avec vous sur le chat donc, de YouTube où vous nous suivez en direct et ils pourront relayer vos commentaires et vos questions. À la technique aujourd'hui pour la captation de cette émission et pour la retransmission en direct, Arnaud Oudéyer, Julien Guigaud et Stéphane Robin. Merci à eux. Alors pour commencer, nous allons préciser ce qu'englobe la télémédecine. En effet, de commencer par bien définir de quoi on parle, parce qu'on parle de téléconsultation, télémédecine. En fait, la téléconsultation est un acte parmi d'autres de télémédecine, qui est donc un terme générique qui est défini dans le Code de la santé publique comme tous les actes médicaux qui sont réalisés à distance à l'aide de technologies d'information ou de communication. Depuis 2009 et la loi HPST, on a identifié et distingué 5 actes de télémédecine. Le premier, c'est la télésurveillance médicale, qui est en fait l'accès à des données médicales sur un patient qui est à domicile à distance. C'est par exemple une personne qui est diabétique, dont le taux de glycémie va être observé par son médecin depuis l'hôpital. Vous avez également la télérégulation, qui est la réorientation d'un patient par un médecin à distance. C'est quelque part la télémédecine qu'on pratique depuis longtemps, depuis toujours, puisque c'est un appel au SAMU, par exemple. La téléassistance, c'est un acte de télémédecine qu'on connaît de plus en plus à travers les montres, les bracelets, les médaillons qu'on peut porter et qui peuvent permettre à une personne fragile, âgée par exemple, de demander de l'aide à distance en cas de chute par exemple. Un autre acte de télémédecine, c'est la téléexpertise qui permet à un médecin de consulter un confrère sur un sujet précis. Et le dernier acte de télémédecine qui nous réunit cet après-midi, c'est la téléconsultation, donc la consultation d'un médecin avec son patient à distance. Donc finalement, on voit que la télémédecine, on la pratique finalement déjà tous au quotidien. Et la téléconsultation, alors précisément, comment est-ce qu'elle a évolué ces dernières années ? Alors, la téléconsultation, comme les autres actes, donc, ont été classifiés depuis 2009, mais il a fallu attendre 2018 pour qu'elles entrent dans le droit commun et donc qu'elles soient remboursées et remboursables par la Sécurité sociale. Donc, c'est que depuis 2018-2019 que la téléconsultation en particulier fait son nid en France, je dirais. Mais la progression a été assez lente et c'est véritablement au moment de la crise sanitaire et du premier confinement qu'on a assisté à une explosion du nombre de téléconsultations. Pourquoi ? Parce que alors vous avez effectivement un graphique qui s'affiche et qui montre cette explosion, mais pourquoi est-ce qu'au moment du confinement on a assisté à ça ? C'est parce qu'évidemment les gens étaient confinés chez eux, les médecins étaient surchargés, donc des plateformes se sont créées, se sont déployées et le gouvernement a aussi permis ce développement. Il a facilité ce développement avec notamment des dispositions dérogatoires comme le remboursement à 100% de ces téléconsultations, ce qui n'était pas le cas avant, mais également la possibilité pour une personne qui n'a pas accès à un Internet au débit de faire une téléconsultation sans vidéotransmission et aussi la création, la mise en place des télésoins, donc la possibilité pour un auxiliaire médical ou un infirmier de faire un soin à distance. Donc tout ça a permis, et on le voit sur le graphique là, au moment du confinement, de faire exploser le nombre de téléconsultations. Vous le voyez ici, ça nous représente donc le début de l'année 2020. Jusqu'à la semaine 11 de cette année-là, le nombre de téléconsultations est très bas. On avait en février 2020, donc ce sont les semaines de 5 à 8, on avait enregistré 37 000 téléconsultations. Sur les mois de mars et avril 2020, donc le début, les deux premiers mois du confinement, on a facturé 5,5 millions de téléconsultations en France. On est donc passé d'un rythme de quelques milliers de téléconsultations par semaine avant le confinement à 100 000 la première semaine du confinement, 500 000 la semaine suivante et jusqu'à 900 000 aux semaines les plus hautes du confinement.
Donc on a atteint vraiment un très haut niveau du nombre de téléconsultations, mais qui n'a pas perduré dans le temps. Vous pouvez le voir sur un autre graphique qui représente l'année 2020. Lorsque vous regardez la courbe jaune donc, qui est située en bas, on voit ce pic à la 12e semaine de l'année. C'est le début du confinement. On voit que pendant plusieurs semaines, le niveau reste élevé, puis ça redescend. Et à la fin de l'année, on voit à nouveau un pic. Ça correspond au deuxième confinement lié à la crise sanitaire. Donc on ne retrouvera certainement pas, ou en tout cas à court terme, les niveaux qu'on a eus au printemps 2020. Et est-ce que c'est souhaitable? Peut-être pas. Mais la crise sanitaire a vraiment permis de lancer la machine et de permettre un décollage de la téléconsultation. Pour vous donner juste deux chiffres, c'est qu'avant la pandémie, en France, on estimait à 2% la part de la population française qui avait déjà fait une téléconsultation. Après la pandémie, ce chiffre est passé à 30%. Et parmi ces 30%, selon les sondages, 8 personnes sur 10 sont très satisfaites de l'acte de téléconsultation dont ils ont bénéficié. Donc on a lancé la machine. Ce qu'il faut maintenant, c'est pérenniser l'usage de ces outils, puisqu'on voit bien que la téléconsultation est une réponse, en tout cas une partie de la réponse à un défi qui est devant nous aujourd'hui, qui est notamment la désertification médicale. Merci beaucoup Anna Cunafon de nous avoir expliqué le contexte général. Et effectivement, on se rend bien compte que de plus en plus de patients sont à la recherche de médecins et c'est ce que nous allons analyser dans la deuxième partie de ce studio. Pour aborder la question de cette désertification médicale, nous avons interrogé les résidents ici à Montluçon pour savoir ce qu'ils en pensaient. Nous allons les écouter tout de suite. Aujourd'hui, vraiment, il y a des grosses difficultés. C'est très difficile de trouver un médecin. Alors les spécialistes aussi. C'est très difficile d'avoir des spécialistes. Hein. Il faut des fois 2 ou 3 mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. J'ai eu plusieurs refus pour dire qu'ils avaient déjà une patientèle énorme et qu'ils n'avaient pas le temps d'avoir quelqu'un de plus. Moi j'habitais Paris, donc j'avais mon médecin traitant. Je suis là depuis 5 ans, je n'ai pas de médecin traitant. Hein. Soit ils sont en retraite, soit ils sont absents. Soit ils sont en vacances, soit il n'y en a plus. Le fait est que c'est la galère pour trouver vraiment quelqu'un tout de suite. Les docteurs jeunes médecins donc, préfèrent se mettre en ville, s'installer en ville, que de s'installer en province. Peut-être davantage de clients ou plus facile d'exercer. Hein. Ça devient de plus en plus difficile de trouver un docteur à la campagne et même dans une ville comme Montluçon. Merci beaucoup. Je pense que les résidents qu'on a vus sont assez représentatifs de ce qui se passe dans la société en général. Madame Malo, qu'est-ce que vous constatez, vous, à l'hôpital en ce moment et particulièrement aux urgences? Alors, c'est un sujet qui est brûlant. Alors, brûlant, aujourd'hui, on va dire un peu moins parce que la canicule est partie, mais vraiment, au niveau des urgences, on est en grande tension comme les 3/4 des établissements en France. On parle de Montluçon, donc on a des journées en juillet qui ne sont toujours pas couvertes. Et ce qui vient d'être dit, pour moi, ça a un vrai sens. Parce que, comme l'ont dit les résidents, mais c'est tellement vrai, quand on n'a pas de médecin traitant, qu'est-ce qu'on fait? On va au seul endroit où il y a de la lumière. Excusez-moi de l'expression, mais c'est celle qui est consacrée. Et celle qui est consacrée, c'est forcément l'hôpital. On passe par les urgences. Les urgences, ça devrait être le lieu où on va quand on a quelque chose de grave, des urgences vitales, mais pas ce qu'on appelle la bobologie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour le patient, parce qu'il a besoin d'avoir un avis médical. Mais on ne doit pas aller aux urgences à tout bout de champ, parce que malheureusement, on n'a plus les effectifs pour prendre en charge correctement. Donc c'est une réponse, la téléconsultation, même si à l'hôpital, on est encore loin de tout ça, vraiment. Les médecins traitants, il n'y en a plus assez. On sait qu'il y a des renouvellements d'ordonnances, il y a des actes qui... Je ne suis pas médecin, hein, je ne veux pas aller dire des choses qu'il ne faut pas dire, mais qui peuvent peut-être être simplifiées, aller tous les 6 mois pour des renouvellements. C'est peut-être pas fondamental si on va bien. Bien sûr, si on a un problème de santé, il ne faut pas hésiter. Mais sinon, les pharmacies peuvent commencer à renouveler, peuvent renouveler. La téléconsultation peut être une solution peut-être plus rassurante parce qu'on a quand même un médecin au bout.
Moi, ce matin, je me suis amusée, excusez-moi du mot, de temps en temps, ça fait du bien, en codir, de faire un brainstorming à mes adjoints en leur disant, je vous donne le mot téléconsultation, ça veut dire quoi pour vous ? Donc, j'ai trouvé que c'était sympa de pouvoir aussi apporter cette parole. Donc, dans un premier temps, suivant ces compétences, j'ai eu des réponses très techniques qui n'apportent pas forcément quelque chose, mais qui montrent que tout le monde sait ce que c'est. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose d'acquis. Voilà. Et puis après, j'ai eu des réponses qui m'ont un peu confortée dans mon idée, dans mes idées. C'était effectivement soulager les urgences parce qu'il faut vraiment y aller que quand on a vraiment besoin. Dans le même sens, mais ce n'est pas les urgences, c'est tout l'hôpital, parce que tout l'hôpital souffre. Hein. Après la crise sanitaire, on a la deuxième crise, nous, qui est d'épuisement, en sachant que la crise sanitaire n'est pas finie. C'est éviter les hospitalisations, notamment pour les patients, enfin, pour nous patients, mais résidents d'EHPAD, où là aussi, enfin, c'est un peu le chat qui se mord la queue, hein, mais en EHPAD, il n'y a pas de médecin suffisamment, voire pas du tout. Hein, c'est vraiment très très compliqué. Et quand un résident ne va pas bien, la nuit, souvent, on cumule les problèmes. Il n'y a pas d'infirmière de nuit. Donc, on va faire le 15 et on va envoyer le résident à l'hôpital pour une hospitalisation qui peut-être n'est pas justifiée. Donc là aussi, une téléconsultation pourrait rassurer l'aide-soignante de nuit et éviter ces transports qui sont quand même... pas du tout juste, enfin pas toujours justifié, et très fatigant et très déstabilisant pour un résident. Donc voilà, il y a des choses qu'on pourrait mettre en place. Moi, je reconnais qu'on n'est pas, forcément bon assez dans ce progrès-là. On n'a pas été les premiers. On s'est peut-être laissé aller parce qu'on avait d'autres choses, parce qu'on avait des médecins. Aujourd'hui, la démographie fait qu'il faut peut-être s'y intéresser de plus près. Oui, on n'a plus le choix et on le voit bien, hein, Stéphane, on comprend en entendant Madame Malo qu'il y a vraiment une nécessité de trouver aujourd'hui une solution. Oui, moi je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quelques-uns, trois chiffres qui me paraissent importants, c'est qu'aujourd'hui on s'accorde à dire qu'il y a à peu près 12 millions de Français qui sont dans des déserts médicaux. Et si on ne fait rien ou si on n'accélère pas le mouvement, ce que vous venez d'évoquer, Madame Malo, c'est qu'en 2027, nous aurons 27 millions de Français qui seront dans des déserts médicaux. Le chiffre est assez simple à retenir, 2027, 27 millions de Français. Et puis un dernier chiffre, c'est qu'en moyenne, pour avoir un rendez-vous avec son médecin généraliste aujourd'hui, il faut 6 jours. Alors en fonction des territoires, vous avez des personnes qui arrivent à avoir le médecin généraliste en 2-3 jours. Et puis sur d'autres territoires, il vous faut 3 semaines. Alors comment est-ce qu'on est venu, nous, à installer des bornes de téléconsultation dans les résidences Domitis ? Alors, un petit rappel avant, c'est que la résidence, elle est non médicalisée. On accueille des personnes autonomes ou fragilisées, hein, des personnes qui s'installent pour vivre leur projet de retraite chez nous, et puis d'autres personnes aussi qui viennent faire des courts séjours, des séjours temporaires pour se reposer, sur des sorties d'hospitalisation. Et pour la partie médicale, on fait appel aujourd'hui aux médecins libéraux, aux infirmières, aux kinés, et ça fait partie du travail des équipes d'accueil qui ont ce rôle de coordination. On est parti d'un constat assez simple, c'est que nous sommes de plus en plus dans des déserts médicaux et nous avons de plus en plus des résidents, des enfants de résidents et des futurs résidents qui nous disent « mais moi, j'ai pas de médecin » ou « si je viens chez vous, mon médecin traitant ne pourra pas venir me voir ». Quelle solution, vous, Domitis, vous avez pour me faciliter l'accès aux soins ? Donc, on est parti de ce constat-là et on s'est dit « on va commencer tout doucement à tester un dispositif avec un partenaire, avec des bornes de téléconsultation ». Et combien on a de résidences aujourd'hui qui sont équipées alors en bornes de téléconsultation ? Alors, on a commencé tout doucement avec 3 bornes de téléconsultation, puis 10, 12, et puis actuellement, on est à peu près à 20 bornes de téléconsultation qui sont en cours de déploiement. C'est un moyen pour nous d'expérimenter, de tester, de voir aussi si le service promis est un vrai service rendu, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, donc ça permet aussi de répondre... à nos résidents, à une certaine attente. Aujourd'hui, les gens veulent vivre vieux, mais aussi veulent vivre en bonne santé, et bien, en bonne santé. Et je parlerai aussi de prévention. Vous parliez du recours aux urgences. Séverine en parlera mieux que moi, mais appeler les urgences à chaque fois qu'un résident ou qu'une résidente est inquiète, je pense que la bande de téléconsultation peut aussi être un moyen de rassurer et de faire un premier diagnostic, et si nécessaire, faire appel, bien sûr, aux services d'urgence.
Et dans certaines résidences, on le sait, c'est vraiment la borne de téléconsultation ou rien. On a des exemples concrets. On a des exemples très concrets. Nous venons d'ouvrir une résidence à Séris, c'est à Marne-la-Vallée, à côté de Disney. Et les 18 premiers résidents n'avaient pas de médecin. J'ai en tête aussi une autre résidence dans la région parisienne où les 78 résidents qui sont installés n'ont qu'un seul médecin. Un seul médecin généraliste, pour l'instant, a répondu présent pour pouvoir, j'allais dire, venir consulter nos résidents et, j'allais dire, faire ce qu'il peut, puisqu'il n'a pas que nos résidents. Et pourtant, on est en région parisienne. Et pourtant, on est en région parisienne, mais beaucoup de départements de la région parisienne sont des déserts médicaux, en fait. Et donc ici à Montluçon, Séverine, donc vous avez inauguré une borne de téléconsultation il y a quelques mois maintenant. Comment est-ce que vous l'avez accueillie, cette solution ? Comme une belle opportunité. C'était une solution qui nous a permis de répondre à un besoin de nos résidents. Ce désert médical est très, très insupportable pour nos résidents et pour nous-mêmes, pour nos équipes, tout simplement parce qu'on se doit, comme dit Stéphane, d'assurer une coordination médicale. Et une coordination médicale pour assurer une sérénité à nos résidents d'avoir un suivi médical pour leur séjour chez nous ou de façon permanente, ça devenait très compliqué, on n'avait plus de réponse. Le fait d'avoir cette borne apportait un peu de souffle et de la sérénité pour nos équipes, car elles étaient en capacité d'apporter une solution à nos résidents qui étaient dans la demande. Donc ça veut dire que ces équipes ont été formées aussi. Effectivement, donc en fait, ça a été très fluide, l'installation de cette borne. Nous avons eu d'abord des formations pour nos équipes. Donc on a souhaité former l'ensemble de nos équipes, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient à l'accueil, qu'ils soient assistants de vie et sécurité, même au restaurant, afin de pouvoir assurer un accompagnement 7 jours sur 7 et de 8h à 20h. Ce qui permettait vraiment d'assurer à nos résidents une téléconsultation en tout temps. Donc c'est vrai que ça nous permet, à l'heure d'aujourd'hui, de rassurer, d'apporter une réponse quand ils ont des maux de tête, des problèmes intestinaux, d'autres désagréments qu'ils peuvent avoir. Et ça nous évite d'appeler le 15. Effectivement, nous, notre réflexe, étant une résidence non médicalisée, on avait ce réflexe-là d'appeler le 15. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça nous permet de désengorger un minimum ce service-là, parce qu'on a une solution et un vrai médecin en face. Voilà, donc on est, c'est pas une borne qui est posée dans un coin à la résidence, c'est vraiment l'accompagnement aussi autour qui fait que cette borne fonctionne bien chez vous. Oui, effectivement. Et puis, le déploiement s'est fait aussi avec une communication vers l'extérieur, parce que le but, c'était aussi de toucher l'extérieur et d'apporter une réponse sur les administrés. On a fait des démonstrations auprès des élus, les maires de Montluçon, des communes aux alentours, du secteur des services d'aide à domicile, des cadres de santé, les infirmiers libéraux également. Donc on a pu toucher un maximum de monde qui était intéressé potentiellement pour avoir cette solution médicale à des moments où on n'avait pas de réponse de médecin ou consultation présentielle. D'accord. Et pour s'en servir, alors il faut quoi ? On vient avec sa carte vitale, j'imagine ? Alors, effectivement, pour se servir de la borne, donc il faut la carte vitale et il faut un téléphone portable, parce que vu que c'est des comptes qui sont sécurisés, il y a des codes de sécurité qui sont envoyés par SMS. Alors, je vais me tourner vers le public, Florence et Raphaël. Qu'est-ce que ça donne sur le chat ? Est-ce qu'on a des commentaires ? Est-ce qu'on a des questions, des réactions sur ce sujet des Hélène, déserts médicaux ? Oui, j'ai une première question. J'ai des enfants en bas âge, 4 et 6 ans. Est-ce que je peux accéder à la borne ? Séverine, peut-être, sur cette question ? Oui. Alors tout à fait, effectivement, c'est consultation à tout âge. On a même l'exemple d'une maman qui est venue avec un enfant de 3 ans qui avait besoin d'un avis médical assez urgent et elle a trouvé cette solution. Il y a eu une communication qui a été faite et elle est venue avec son petit de 3 ans. Elle a eu sa réponse, elle a eu l'ordonnance qui correspondait à ses besoins. Donc c'est possible. Une deuxième question, mon médecin peut-il faire de la téléconsultation ? Alors, qui pour cette question ? Stéphane, peut-être ? Je vais répondre avec le partenaire. Comme l'a dit à juste titre Séverine, à chaque fois qu'on va installer une borne de téléconsultation dans un territoire, on va aussi solliciter les médecins du territoire. C'est-à-dire qu'on va leur proposer de rentrer dans le dispositif en fonction du temps qu'ils peuvent allouer ou non pour faire de la téléconsultation. Donc, j'ai envie de dire qu'en fonction du temps que le médecin peut allouer, effectivement, notre partenaire va le rentrer dans le dispositif de la borne. Et si on prend l'exemple de Montluçon, très prochainement,
les résidents, les résidentes, si des médecins locaux sont référencés, j'aime pas trop ce mot-là, mais sont référencés dans la borne, pourront choisir leur médecin traitant s'il est disponible sur l'agenda en ligne. Donc effectivement, un médecin libéral local peut se mettre à la téléconsultation. Merci. Alors, et parmi les personnes qui nous font le plaisir d'être avec nous physiquement aujourd'hui dans le salon de Montluçon, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce qui vient d'être dit? Certains d'entre vous, on vous a vu dans le petit reportage tout à l'heure aussi. Alors, un témoignage. J'en ai pas, Michel. Non, je n'ai pas de médecin. Je n'en ai plus depuis, je sais plus, début de l'année. Il est parti dans le midi. Et je cherche désespérément. C'est tout. Voilà, donc effectivement, c'est compliqué ici de trouver un médecin. Vous avez la chance ici de vivre dans cette résidence de Mitis où il y a la bande de téléconsultation avec une équipe qui est formée. Le médecin m'a donné un an de médicaments. D'accord, une ordonnance d'un an. Et puis s'il faut renouveler, donc vous pourrez vous tourner vers votre direction. Qui est autorisé? Ah non, je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Madame Nick, elle n'a pas l'habitude de parler dans un micro. C'est vrai que c'est un peu impressionnant, mais merci pour votre témoignage en tout cas. Alors nous allons maintenant nous pencher précisément sur le fonctionnement de ces bornes. Alors, en parler, c'est bien, mais le voir, c'est mieux. Donc, nous allons tout de suite voir un reportage qui a été tourné ici, à la résidence de Montluçon, aux côtés de la borne. Voici la borne qui est l'intermédiaire entre le médecin généraliste et vous pour une téléconsultation. Vous allez avoir accès à un généraliste sous 6 minutes et grâce aux outils connectés, vous permettre de faire la téléconsultation. Vous avez le tensiomètre, donc pour la tension, qui est accessible à tout professionnel de santé, toute personne de l'extérieur et tout résident, l'oxymètre pour la saturation d'oxygène et le thermomètre. Le médecin généraliste déclenchera, lui, les outils connectés, le dermatoscope pour, par exemple, un problème d'eczéma, de brûlure, de grains de botte à surveiller, le stéthoscope et l'otoscope pour la gorge et l'oreille. Un historique est également enregistré pour les renouvellements d'ordonnances, les prochaines consultations. La personne va pouvoir repartir avec son ordonnance pour son traitement, le renouvellement d'ordonnance ou un arrêt de travail initial pour 3 jours. Merci à Florence et aux résidents pour cette démonstration. Séverine, est-ce que cette borne est beaucoup utilisée? C'est un réel succès. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce succès-là. Depuis début d'année, à peu près, nous avons une centaine de téléconsultations, ce qui est quand même incroyable. Donc, cette borne est essentiellement utilisée, enfin essentiellement non, hein, c'est vraiment utilisé par nos résidents, mais également par les extérieurs. Donc vraiment, toute personne peut l'utiliser. Et l'avantage que nous, on a, c'est qu'on a une présence 7 jours sur 7. Donc ça, cette présence, elle est importante et ce qui permet aux extérieurs de venir n'importe quand et aux résidents, s'ils ont un problème à partir de 20h, également d'avoir cette téléconsultation. Oui, comme on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, la résidente donc, qui a eu besoin avec l'astreinte de nuit qui l'a accompagnée. C'est ça, c'est vrai que c'est un avantage. Et même pour les extérieurs, parce qu'ils peuvent venir même un dimanche, un jour férié, ils savent qu'on est ouvert. Merci. Alors, on vient pour quel type? Tout à l'heure, on a vu donc, le type de symptômes et aussi comment ça marche en fait quand un extérieur arrive à la résidence. Il se présente à l'accueil? Oui, effectivement, il se présente à l'accueil. Donc après, nous, on les accompagne donc, jusqu'à la borne. On leur montre un peu le fonctionnement. Donc il y a un démarrage. Hein. Il faut créer un compte pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte. Donc c'est vrai qu'on les accompagne sur toute cette démarche un petit peu fastidieuse et compliquée. Hein. Et donc on leur précise bien que sans carte vitale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et sans téléphone portable, ils ne pourront pas, par contre, bénéficier d'une téléconsultation. Donc ça, c'est indispensable. Et après, donc, on reste à distance selon leurs besoins. C'est-à-dire qu'on garde la confidentialité de la téléconsultation, mais évidemment, ça reste des avis médicaux. Mais s'ils ont besoin, on n'est pas loin derrière.
Comme ça, on peut toujours les aider à l'utilisation ou quoi que ce soit d'un outil de téléconsultation. Voilà. Merci. Je vous en prie. Anna, avec votre regard général sur la question, que pensez-vous de cette solution de la bande téléconsultation en résidence? Est-ce que c'est adapté selon vous? Alors oui, pour répondre à votre question, je vais reprendre des travaux qu'on a fait au sein de nos think tanks, notre think tank en nous concentrant non pas sur les résidences services seniors, mais sur les EHPAD, puisqu'on a essayé au début de l'année dernière d'évaluer un peu l'impact de la télémédecine et la téléconsultation sur la prise en charge des résidents en EHPAD, donc en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en se disant que c'était forcément la solution miracle pour ces résidents qui sont très peu mobiles, très fragiles, que pendant le confinement, on n'a pas voulu sortir, qu'on n'a pas voulu confronter à l'entrée de médecins notamment. Mais finalement, l'explosion qu'on a constatée dans la société en général, on ne l'a pas du tout constatée en EHPAD pendant le confinement. Et cela en raison de différents freins qui existent en EHPAD, qui sont d'abord le profil des résidents en établissement. Donc, pour personnes âgées dépendantes, ces personnes sont très âgées, sont très dépendantes. Elles sont peu compatibles avec un outil de téléconsultation. Elles ont besoin de temps et elles ont besoin d'un accompagnement pour réaliser cette téléconsultation. Or, et c'est le deuxième frein, en EHPAD, on le sait aujourd'hui, le temps, c'est ce qui manque pour les soignants. Il manque des soignants, il manque de temps pour les soignants qui sont là et qui donc ne peuvent pas forcément allouer un temps supplémentaire pour des téléconsultations. Ces professionnels, par ailleurs, on n'a pas forcément le temps de les former. Vous en parliez dans la résidence. En EHPAD, ce n'est pas forcément la formation prioritaire, l'utilisation d'une borne ou d'un outil de téléconsultation lambda. Et par ailleurs, un autre type de frein qu'on a constaté en EHPAD, c'est un frein d'ordre plutôt technique, avec toujours beaucoup d'établissements, ce qui est moins le cas avec des résidences services seniors qui sont plus jeunes, mais des EHPAD, beaucoup qui ne sont pas équipés en Internet haut débit, mais aussi des problèmes d'interopérabilité entre le logiciel de soins de l'EHPAD, le logiciel de téléconsultation, ensuite le logiciel qu'utilise le médecin. Donc voilà, la téléconsultation, pour le moment, n'a pas passé la porte de l'EHPAD. En revanche, ce qu'on a vu avec la crise, et ça a été des choses qu'on a constatées avec nos travaux, c'est que la télérégulation, notamment, et la téléexpertise avaient besoin d'être développées dans ces établissements parce qu'opportunes pour notamment la nuit, pouvoir guider des aides-soignantes qui sont seules face à un résident qui est en difficulté. La télérégulation par le SAMU ou par d'autres solutions qui ont été mises en place par des opérateurs est une solution à développer. Mais donc la téléconsultation en EHPAD, c'est compliqué, alors qu'en RSS, l'opportunité est vraiment différente parce que ces freins-là, on ne les retrouve pas. Sur le profil des résidents notamment, ce sont des résidents plus jeunes, plus autonomes, des résidents qui sont pour la plupart plus habitués aux outils numériques aussi. Et sur des systèmes comme la borne qui est mise en place dans les résidences de Métis, on a une offre globale qui est construite et qui pose donc pas de problème technique, pas de problème de trouver le médecin, trouver le médecin en face. Et on le voit dans la vidéo, les personnes savent s'en servir. Peuvent s'en servir seules, mais elles ont quand même avec elles une équipe qui est là et qui est formée pour l'utiliser. Donc là, on retrouve vraiment dans la résidence service senior un terreau très favorable au déploiement de la téléconsultation et une opportunité pour les résidents, mais aussi évidemment pour le bassin de vie en général et les personnes qui vivent autour. Effectivement, ça a été bien accueilli en résidence par les résidents qui s'en sont servis et on les a interrogés justement sur l'utilisation de cette borne. On va voir tout de suite un deuxième petit reportage qui a été tourné ici à la résidence de Montluçon. Alors, je trouve que la borne est bien parce que ça permet d'avoir un contact avec un docteur quand le nôtre est en congé ou absent. Et à Domitis, sans bouger de chez moi, c'est bien. Et quand l'appareil a été installé, sans tarder, on a eu une réunion de deux ou trois personnes à la fois pour nous expliquer le maniement de l'appareil. Pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion de me brancher avec ma carte vitale, mais... Je sais le fonctionnement en gros. J'ai eu des problèmes dentaires qui avaient été soignés avec un traitement antibiotique.
Mais comme ça m'a repris 8 jours après, j'ai donc voulu contacter mon docteur qui était en vacances. Donc j'ai utilisé la borne, mais avec le conseil de la veilleuse de nuit, parce que je ne savais pas le faire marcher. Donc elle a fait le nécessaire, elle m'a aidé. On a eu un docteur qui m'a demandé mon ordonnance. Alors on a donné tout ce que je prenais comme médicament. Et à la suite de ça, il m'a ordonné un antibiotique que j'ai pu aller chercher le lendemain. Bien, je l'ai essayé une fois pour des acouphènes, justement. Je m'en suis bien trouvé. En 5 minutes, on a un interlocuteur docteur et tout s'est bien passé. Hein. C'est assez facile de l'utiliser. Aujourd'hui, je pense que je peux m'en servir toute seule, peut-être avec des petits ennuis. Enfin, bon, je pense arriver. Alors nous voyons que les résidents réservent un bon accueil à la borne, mais l'objectif est qu'elle soit utilisable par tous, par les personnes qui habitent le quartier, par les personnes qui habitent la ville. Donc c'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de ce studio de Métis. Stéphane, je me tourne de nouveau vers vous. Quel est l'avenir de ces bornes de téléconsultation dans les résidences Domitis notamment ? Prometteur, j'espère. Alors l'avenir, c'est on va continuer en fait à identifier les résidences où il y a des vrais besoins dans des déserts médicaux. Je ne vous cacherai pas qu'il ne se passe pas une semaine où j'ai des collègues qui m'appellent et qui me disent « Stéphane, j'ai de plus en plus de difficultés, j'ai des résidents qui se plaignent, j'ai des futurs résidents qui me demandent « que fait-on » Je tiens à rappeler aussi que c'est un service gratuit, aussi bien pour nos résidents que pour les personnes extérieures. Et sur l'ensemble des téléconsultations qui ont été faites par le groupe, c'est là où c'est intéressant, le chiffre, l'âge médian est de 60 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on facilite d'une part l'accès aux soins, la téléconsultation pour nos résidents, et ça c'était le premier objectif de Domitis. Et le deuxième, c'était comment nous, en tant que, j'allais dire, acteurs auprès des seniors, on a cette responsabilité aussi sociétale presque de participer, d'apporter notre pierre à l'édifice sur la facilitation de l'accès aux soins et en travaillant avec les collectivités locales, les mairies, les différents professionnels de santé. Donc l'avenir, c'est une multiplication des dispositifs dans les résidences. Pourquoi pas des nouveaux dispositifs ? Puisqu'il existe aussi maintenant des mallettes connectées qui sont plus mobiles, qui pourraient également servir aux infirmières libérales qui sont de passage dans nos résidences et qui pourraient faire du télésoin ou de la téléconsultation. Et un enjeu fort, et donc je lance un appel, je regarde la caméra, en même temps, c'est de rencontrer les maires, les conseils départementaux, donc les collectivités locales, pour qu'elles soient aussi sponsors et que ces projets, on les fasse ensemble. On n'a pas pour ambition de travailler en silo, au contraire, c'est une solution parmi d'autres. Ce n'est pas la solution magique, mais nous, tout ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, elle sert énormément à nos résidents, elle sert de plus en plus aux administrés, donc nous sommes très heureux, très ravis de pouvoir continuer d'amplifier en fait ce déploiement avec notre partenaire. Voilà ce que je peux dire. Et puis, par rapport à Madame Malo, si on peut continuer à travailler davantage avec les services d'urgence et les hôpitaux et les cliniques et les soins de suite pour éviter d'emboliser en fait les urgences, je parle sous votre contrôle, mais on dit qu'en gros il y a 80% des passages aux urgences qui ne le méritent pas, ou 60% peut-être. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup trop. Et donc voilà, donc si Domitis peut apporter sa contribution à ce niveau-là, eh bien nous, on aura, je pense, répondu à nos objectifs, en tout cas quoi, à notre rôle en termes de prévention et d'accès aux soins. L'idée, c'est vraiment de travailler en synergie avec le territoire. Et on a de très beaux partenariats qui se sont créés dans certaines villes où on a des résidences aujourd'hui. Tout à fait. On a une petite ville, alors je ne vais pas dire une petite ville parce que le maire va me tirer les oreilles, une ville proche d'Angoulême qui a répondu positivement sur le financement de la borne. Le projet, c'est un projet qu'on est en train de monter ensemble, donc dans les prochaines semaines, on va poser cette borne à l'île d'Espagnac avec l'assentiment du maire et des élus pour travailler ensemble et pouvoir aussi offrir ce service à un maximum d'administrés. Donc voilà un bel exemple. On a d'autres discussions actuellement avec les maires et les collectivités locales pour travailler ensemble sur ces projets-là. Et puis j'en terminerai pour dire aussi que
ce dispositif-là, ça permet aussi de faire de la prévention, des bilans. On peut très bien aussi organiser des conférences, des actions de dépistage, des bilans, puisqu'il y a des objets connectés qui permettent de le faire. Et on a un partenariat, par exemple, avec la Fédération française de cardiologie, les clubs Cœur et Santé. On pourrait très bien imaginer utiliser ces dispositifs au profit des adhérents des clubs Cœur et Santé pour faire aussi du bilan, du dépistage. Je pense qu'on en est qu'au début. Et il y en a à Montluçon. Et on en a à Montluçon. Qui est hébergé à l'hôpital. Voilà. Séverine, à la résidence, vous avez constaté, vous, que le succès de la borne en fait, vient de ce maillage territorial, justement. Oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'on leur pose forcément la question, surtout aux extérieurs, d'où ils viennent, comment ils savent, ils connaissent la borne à Montluçon. Et on a souvent, justement, des orientations des urgences de l'hôpital, même des médecins généralistes qui nous envoient des patients à eux parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et le créneau nécessaire pour répondre à une consultation en présentiel. On a vraiment tous les partenaires médico-sociaux qui sont là et qui ont envie d'avancer avec cette téléconsultation. Parce que aujourd'hui, c'est une réponse. Donc, il y a certainement peut-être d'autres réponses à l'avenir. Alors, d'aujourd'hui, c'est une réponse. Et on a la chance d'avoir cette borne. Et je pense que les administrés et même les partenaires ont envie de profiter d'avoir cette borne à disposition sur le territoire. Et Madame Allo, alors, à l'hôpital, côté médecin, comment est-ce que c'est accueilli? Est-ce qu'il faut les convaincre? Je pense que la communication, on en a déjà parlé. Pour l'instant, elle est encore un peu petite. Alors, au niveau patientèle qui cherche, je pense que oui, là, ça commence à se savoir. Au niveau de l'hôpital, ce n'était pas forcément un outil qu'on allait utiliser. Avec la crise qu'on connaît, clairement, il faut que ça prenne toute sa place. Mais il faut qu'on avance sur quand vous avez besoin, ça fait partie de toutes les pistes qu'il faut étudier. Donc il faut qu'on développe, il faut qu'on soit un vrai partenaire. Et en vous écoutant, je me disais qu'on avait aussi peut-être notre rôle à jouer sur requérant, parce qu'on peut aussi avoir des réponses en dermatologie. On sait que c'est des spécialités qui sont difficiles en rendez-vous. Des fois, ça peut rassurer ou dire « non, il faut vite, vite aller consulter ». Donc on va avoir un renfort en dermato, ce n'est pas si courant, donc on peut se permettre de le dire. On a certainement des choses à faire. Oui, je pense. Et puis sur un territoire comme Montluçon, on travaille déjà ensemble sur plusieurs pistes. Il faut qu'on continue. Il faut vraiment que tous les professionnels de santé soient associés. Alors, je vais me tourner vers Raphaël et Florence pour voir s'il y a des questions sur le chat. Oui, nous avons une question d'Amélie. Bonjour, si nous n'avons ni médecin ni borne à proximité, comment faire en sorte que les territoires s'équipent? Est-ce que Domitis peut être un appui? Stéphane. Bonjour toi. Amélie. Je ne sais pas si Amélie travaille chez Domitis. Je ne pense pas. Ce n'est pas précisé. Donc, ce que je propose à Amélie, c'est qu'on rentre en contact, qu'elle puisse nous présenter, son projet, ses difficultés. On serait heureux, pourquoi pas, Domitis, de proposer une borne, d'héberger une borne pour le compte d'eux. Ça, c'est un sujet qui a été, il y a à peu près un an, qui avait été évoqué avec un maire. C'était effectivement d'héberger, parce qu'on a les locaux. Comme le disait Séverine, à juste titre, 365 jours par an, on est ouvert de 8h à 20h, et on a également du personnel la nuit. Donc on peut être un bâtiment un peu ressource, une solution un peu ressource pour cette interlocutrice que je ne connais pas, mais en tout cas à qui on pourrait rendre ce service. Donc je l'invite à nous en dire plus et afin qu'on étudie sa problématique. Est-ce qu'on a d'autres questions dans cette... Oui, une deuxième question. Face à la pénurie de spécialistes, peut-on espérer avoir des téléconsultations prochainement? Madame Malo a commencé à parler des dermatologues notamment. Oui, ça existe déjà, alors là, pour le coup, les hôpitaux étaient en première ligne depuis plusieurs années sur la dermato, sur d'autres disciplines qui ne vont pas venir tout de suite à l'esprit. Malheureusement, avec la démographie médicale, on y revient toujours, ça s'est un peu tassé, mais c'est vraiment des secteurs qu'il faut développer.
Je peux prendre l'exemple de quelque chose qu'on ne pense pas toujours, c'est la téléréducation. Ça paraît étonnant, c'est quelque chose qui marche, et la télédentisterie aussi. Donc on a vraiment des secteurs à investiguer pour répondre à la population. Vous m'avez intriguée avec la télédentisterie. Forcément. Forcément. Voilà, donc on a vu tout à l'heure dans le reportage, hein, par exemple pour la dermatologie, donc on a vraiment l'appareil en fait, qui va venir sur la peau, etc. Donc les dents, donc, voilà, c'est la même chose en fait. Alors en fait, ouais, la télédentisterie, c'est un dentiste qui a envie de s'impliquer là-dedans, qui intervient, alors je reviens sur les EHPAD, hein, parce que nous, c'est forcément nos secteurs, dans un EHPAD où il n'y a pas de dentiste à côté, ou en tous les cas pas suffisamment, qui va mettre à disposition une mallette avec un minimum de matériel. Alors il faut bien sûr une infirmière ou une aide-soignante, d'ailleurs le grade n'est pas important, une fois que les gestes ont été appris, qui va aller ouvrir la bouche de la patiente et qui va aller faire une observation de la dent en question ou de la gencive, enfin de la bouche. Ces images vont être transmises au dentiste qui va juger de l'urgence ou non de soins. Et quand la dentiste, le ou la, je dis là, parce que l'exemple que j'entends, c'est une dame, va venir, elle saura déjà les soins qu'elle a à faire. Donc, tout est rationalisé et elle ne se déplace jamais pour une seule consultation. Donc, voilà, c'est un gain de temps, d'efficacité et d'urgence si besoin, bien sûr. Ça marche. Alors, ça marche en Côte d'Or. Je vais le vendre hein, parce que j'étais en Bourgogne avant, mais je vous assure, ça marche. Et à l'inverse, est-ce que c'est déjà arrivé, alors peut-être Séverine pour cette question, qu'un patient, finalement le médecin en face de lui en téléconsultation lui dise ça, je ne peux pas le traiter, il faut vraiment aller voir un spécialiste. Est-ce que ça peut arriver quand même ? Oui, ça arrive, bien évidemment. Il y a des pathologies ou des problèmes qui ne peuvent pas être analysés en téléconsultation. Donc ça, le médecin qui est en face le dit clairement au patient, comme quoi il ne pourra pas donner d'avis, il n'y aura pas d'ordonnance, il n'y aura pas de suite, et qu'il lui conseille vivement d'aller voir un médecin, par contre, en consultation. Voilà. Donc on voit là tout le sérieux aussi des médecins qui sont derrière les bornes. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Ou dans le public, peut-être, messieurs, dames, maintenant qu'on a étudié la téléconsultation, en plus vous avez une borne, vous, ici, est-ce que vous avez des remarques ? Pas spécialement. Est-ce qu'on a une dernière, un sujet dont on n'a pas parlé encore, quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ? Moi, je tenais à préciser quand même que tout s'est fait aussi en consultation en amont de l'Ordre des médecins. Oui. Nous les avons quand même contactés pour les informer qu'on allait mettre à disposition une borne de téléconsultation pour aussi connaître un peu leur ressenti par rapport à tout ça. Ça a été très bien pris. Vraiment avec beaucoup d'engouement parce que ils ont quand même conscience hein, de cette désertification médicale et pour eux le fait qu'elle soit implantée en résidence service a été d'autant plus efficace parce que effectivement c'est ouvert tout le temps 7 jours sur 7. Donc ça voilà, je voulais juste informer et préciser que nous avions l'aval quand même de l'Ordre des médecins et que malgré certaines réticences de médecins généralistes, c'est en train de se faire tout doucement. C'est très important, merci beaucoup. Anna ? J'avais une question, parce que dans les travaux qu'on a menés sur les EHPAD, on s'est rendu compte qu'un des freins aussi pour mettre en place des téléconsultations dans l'EHPAD, c'est que le temps de consultation pour un résident d'EHPAD, de téléconsultation est très long, alors que le médecin est payé, qu'il y passe 5 minutes ou 45 minutes, il est payé avec le même tarif. Vous, en résidence à Montluçon, le temps de la téléconsultation, il est de... Ou peut-être Stéphane, il est de... Le temps de la téléconsultation, je ne saurais pas répondre, je sais juste que le temps d'attente, à peu près, voilà, c'est du 10 minutes à peu près. Voilà. Le temps de la téléconsultation, j'avoue que là, je n'ai pas forcément les chiffres. Je crois qu'au niveau national, on va être à peu près sur 10 minutes sur la téléconsultation, à peu près, la moyenne. Proche d'une moyenne. Oui, tout à fait. Parce que malgré tout, parce que j'entends dire aussi, et j'ai rencontré certains médecins qui n'étaient pas pour au début, qui effectivement avaient le sentiment que ça pouvait aller un peu vite. Mais quand vous êtes à distance, ces médecins qui pratiquent cette téléconsultation sont vraiment très concentrés aussi avec leurs patients. Avec des seniors, des personnes qui peuvent être un peu moins autonomes, il va falloir prendre plus le temps aussi d'expliquer les choses. Donc en fait, c'est pas une consultation au rabais, au contraire. Il y a beaucoup de questions pour faire le diagnostic. Et puis, comme Séverine l'a rappelé,
Nous, on est habilité, hein, l'ensemble des personnels de Métis est habilité à assister à la téléconsultation de A à Z. Donc, s'il faut accompagner, aider à manipuler certains objets connectés, on le fait, quoi. On le fera moins sur une clientèle, j'allais dire, extérieure, plus jeune, des gens qui sont de passage. Je crois que Séverine avait eu quelqu'un d'une trentaine d'années qui était venu. Bon, là, la téléconsultation se fait toute seule. Mais pour nos résidents, on les accompagne. Donc, en moyenne, de mémoire, on est autour de 8 minutes et on a 70% de femmes qui font de la téléconsultation, ce qui correspond grosso modo à la population qu'on accueille chez Domitis, quoi. Une dernière chose à rajouter, Madame Malot ? Écoutez, moi j'espère que ça va se développer parce que je crains que nous ayons les 5 ans à venir encore plus de difficultés. Donc il faut prendre tout ce qui est possible pour répondre à la population. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour vos expertises, pour vos analyses. Ce studio se termine. Donc merci à vous, merci au public qui s'est déplacé pour assister au studio Domitis. Et merci à vous qui nous avez suivis de chez vous. Donc vous savez maintenant que vous pouvez venir dans certaines résidences Domitis pour aller à la bande de téléconsultation et voir comment ça fonctionne pour tester. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez échanger sur les besoins de vos territoires, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure en réponse à la question, on peut en discuter ensemble. Merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain studio Domitis.